Alors, bonjour à toutes et à toutes, à tous et à toutes. Aujourd'hui à Caudry. Un temps merveilleux. Regardez, je suis en manche courte. 26 degrés à l'ombre. On en profite, on en profite. On est avec Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour Michel. On est avec Dominique. Dominique, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est au boulodrome. On va. Alors c'est pas tout à fait les boules, mais juste parler, Jean-François, tu fais partie du conseil municipal des aînés. Pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas, c'est quoi? Donc le conseil municipal des aînés, c'est venir en. Comment? On fait des réunions et venir en aide également aux aînés, leur donner un coup de main dans leurs projets. Si, par exemple, on fait de la déambulation également, on passe dans les rues pour voir les maisons abandonnées, tout ça, et ça on le relate au niveau de la mairie. Et monsieur le maire vous donne un coup de main? Et monsieur le maire nous donne un bon coup de main. Alors justement, vous organisez les voisinades Caudrezaine. Alors on avait l'habitude, il y a quelques années, où c'était un peu dans tous les quartiers. Là, c'est uniquement au bowling. Voilà. Donc on au boulodrome. On fait notre deuxième voisinade cette année. L'année dernière, c'était rue Calmette. Et cette année, c'est au boulodrome, un lieu insolite un petit peu. Donc au départ, nous allons faire un petit tournoi de pétanque. Hein, que là, Dominique vous en dira deux mots après. Ensuite, suivi de deux chanteuses, c'est-à-dire Corinne Lallemand qui va vous chanter du Annie Cordy, Edith Piaf, et Rosine qui chante France Gall. C'est bien, c'est que vous organisez une sorte de repas, un repas, et il y a un petit spectacle aussi. Voilà, il y a un spectacle, et également, vous pouvez venir avec votre repas, vos boissons, ainsi que manger sur place, car nous allons faire également barbecue. Alors, si vous faites barbecue, est-ce qu'il faut réserver? Enfin, si les gens disent « on va venir au barbecue », vous avez prévu ou alors il faut réserver? Non, cette année, vous pouvez venir, il y en aura pour tout le monde. Alors, Dominique, toi, tu t'occupes du concours de boules. Oui, tout à fait, Michel. Donc, moi, c'est quand même ma spécialité. Donc, ils m'ont proposé, du fait que c'était sur le boulevard Jean Jaurès et au boulodrome, d'organiser un concours dans l'après-midi pour faire une petite transition jusque la soirée. Bah, j'ai dit oui, bien sûr, ok, à partant. Ça sera un concours de pétanque en doublette. Inscription à partir de 13h. Début du concours aux alentours de 14h30 pour qu'on puisse aller jusqu'à 19h30 où là, le pique-nique commencera et puis les animations chantées, tout ça commenceront. Donc venez nombreux. Hein. Il y aura la mise pour les équipes, c'est 10 euros. On remettra les mises et voilà, on passera une bonne après-midi en attendant le repas du soir. Alors, si vous ne jouez pas au boule, les gens viennent à partir de 18h, hein, c'est ça? Voilà, les gens viennent à partir de 18h et le spectacle démarre, je pense, à 18h30, 18h45. Oui, si c'est des personnes âgées, il ne faut pas rentrer trop tard après. Voilà, tout à fait. Il y en aura pour tout le monde. Alors, on a vu quand même le temps qu'il faisait aujourd'hui. Ce qui est bien au boulodrome, c'est que s'il pleut, vous êtes couvert. Voilà, exactement. Il y a le chapiteau, donc je pense que l'animation, s'il fait froid ou qu'il pleut, l'animation se fera à l'intérieur. Et on rappelle que c'est le vendredi 7 juin, donc c'est dans quelques jours, ça va se rapprocher assez vite. Hein. C'est la semaine prochaine. Alors je compte sur vous et surtout venez nombreux. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, merci Jean-François qui nous a donné le mot de la fin. Dominique, tu voulais rajouter quelque chose, non? Alors, je vous rappelle, donc le 7 juin, c'est ici au boulodrome à Caudry. Tout à l'heure, je me suis trompé. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, ça va être retransmis tout à l'heure sur le www.ledirect.webtv.fr. Et on sera ce soir en définition sur notre chaîne YouTube. Et je vous assure que le 7, il va faire au moins 40 degrés. On le souhaite pour on vous le souhaite. Merci à vous. Merci Michel. Thank you.